Mesdames et messieurs, je vais vous faire ce soir une présentation de comment on prépare pour nos animaux adorés le fameux barf. Suivez bien les conseils de Tonton Costa Gada. Le choix évidemment des ingrédients est très important. Il faut que ça soit frais, quoique je dois avouer que je récupère. Donc c'est absolument en date de péremption, mais les dates sont respectées. Vous remarquerez que nous n'avons pas de viande de bœuf que nous rajouterons demain, ainsi que la viande de porc. Là, il n'y a uniquement que des fraissures, donc des abats d'agneaux et de moutons, et du poulet, viande blanche. Mais demain sera un autre jour, et nous rajouterons sur ce bar. Un premier test fraîcheur est effectué par notre collaborateur Toudou. Toudou, comme vous pouvez le voir, inspecte absolument tout le matériel pour la bonne marche de cette opération. Les œufs, normal. La friteuse, je ne sais pas pourquoi, il regarde la friteuse, bon, en fait, c'est pas son problème. Mais surtout, la qualité intrinsèque de tout ce qui est abat, foie et toutes les choses qui seront intéressantes pour nos furets, les autres, je veux dire, sur l'élevage. Il inspecte. Bon, ça, on ne peut pas dire qu'il n'inspecte pas. Hein. Même les eaux de sèche que j'avais laissées, il les fout en l'air. Quel inspecteur celui-là? Une découpe minutieuse. Autant que sanguinolente s'impose évidemment pour pouvoir préparer les ingrédients du fameux barf que nous allons ensuite préparer, j'espère, de façon assez ludique en chanson. Voilà, vous avez préparé tous les ingrédients, si ce n'est que je n'ai pas encore le bœuf ni le porc que je n'aurai que demain. Ok. Mais enfin, il y a beaucoup de choses déjà. Hein. Et les fraises d'Agada, là, c'est beau, un petit peu pour le fun. J'ai du très bon barf dans ma barfotière. J'ai du très bon barf, tu n'en auras pas. Le test final est effectué par Jimmy, Superstar et Toudou, qui pour le moment ont pas l'air de s'occuper beaucoup du barf, mais... Votre mission, les enfants, c'est le barf, hein? On s'est compris? J'espère, hein? Ok. Il va y avoir des licenciements, hein? Pour faute grave. Bon, dans le test, ben, je ne sais pas si le barf leur plaît, en tous les cas, ils sont pas affamés. Mais enfin, bon, moi, il me plaît, ce barf. Et puis, ils ont l'air de vouloir jouer. Enfin, je ne sais pas s'ils ont envie de jouer, quoi. Bon. Voilà. Vous avez une recette de barf maison. Ok, à bientôt, mesdames et messieurs. Jimmy, tu dis au revoir à tout le monde? Non, il dit rien, il s'occupe de son copain, son nouveau copain. Ok. À bientôt.